Le cocon d'une chambre d'hôtel avant l'âpreté du grand large. Dernier point météo avec les routeurs restés à terre pour le duo d'Edmond de Rothschild. Comme une répétition virtuelle des premières heures de la Transat Jacques Vabre, Sébastien Josse et Charles Caudrelier cogitent la trajectoire du trimaran pour sortir de la Manche. Au menu, du courant et du petit temps et un mot d'ordre, ne rien lâcher. Après, on a une partie qui est beaucoup plus musclée, on va dire, c'est de Ouessant au Cap Finistère, où là, je pense que ça va être vraiment sportif. Il va falloir faire le dos rond, mais pas trop, parce que le premier au Cap Finistère, eh ben, il aura un bon avantage. Après, ça déroule par l'avant, donc on a vraiment les deux premiers jours de course à pas rater. Ouais, c'est parti. Un brin de tendresse avant un monde de brut. Le duel entre Edmond de Rothschild et Omaner Moussadam est certes une compétition, mais aussi, et peut-être avant tout, une histoire d'homme. Dans le huis clos du grand trimaran, les marins vont partager une aventure d'une exceptionnelle intensité. Sébastien et Charles devront aller au bout d'eux-mêmes pour espérer l'emporter. En bateau, c'est le seul endroit où on arrive à connaître les gens au plus profond d'eux-mêmes. Ça, c'est parce que justement, on a vu l'autre dans des états de fatigue tellement avancés. Ça reste entre nous, ça reste toujours entre nous. C'est des choses qui ne transpireront jamais à l'extérieur. Mais voilà, je pense que moi je vais mieux connaître Charles que sa femme et ses enfants, certainement, juste sur cette période de 15 jours. C'est vrai qu'avec Seb, en plus, on se connaît depuis toujours, mais on a vraiment resserré nos liens cette année, que ce soit sur le bateau ou même à terre. Donc ça me fait plaisir de partir faire cette course avec lui. Et je sais que sur ces bateaux-là, les émotions sont fortes et de les partager avec lui, ça va être sympa et on a envie d'écrire une histoire ensemble. Donc voilà, on est vraiment content de partir ensemble, je crois. On est une bonne équipe. Le public ne s'y trompe pas. Traverser l'Atlantique n'est jamais une entreprise anodine, a fortiori en double sur un trimaran de 70 pieds. On a fait le nombre d'heures de navigation suffisante pour savoir le gérer dans toutes les situations. Après, on sait qu'il y a des situations qui sont extrêmes, où des fois, il faut un petit peu de réussite. Mais normalement, ça va. La confiance est là, en effet. À 13h pétante, Edmond de Rothschild est le premier à passer la ligne mouillée devant les falaises du Havre. Dans un vent faible et sous la pluie, le trimaran lancé par le baron Benjamin de Rothschild attaque son mano à mano avec Omaner Moussadam. Et la bagarre du virement tourne d'emblée à l'avantage de Gitana 15. À en juger par l'intensité des manœuvres, Sébastien Josse et Charles Caudrelier sont bien décidés à ouvrir la route de la Transat Jacques Vabre avec un horizon dégagé. Selon les conditions météo, la bagarre jusqu'au Brésil devrait durer entre 12 et 18 jours.